Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, bientôt une carte d'identité biométrique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle sera effective en 2016 et vise à faciliter l'intégration économique au sein de l'Union. Au Cameroun, la nouvelle loi contre le terrorisme divise l'opinion, l'opposition politique et les organisations de la société civile dénoncent une mesure liberticide. Et puis la Côte d'Ivoire souhaite multiplier par deux sa capacité de production en bitume, une ambition réaliste au vu de son succès à l'exportation, notamment au Nigeria, au Ghana et en Angola. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lancera une carte d'identité biométrique en 2016. L'annonce a été faite ce jeudi à l'issue du Conseil des ministres des pays membres de la communauté et entre en phase avec les efforts entrepris pour faciliter l'intégration économique au sein de l'Union. Guévanido. Une carte d'identité biométrique sera mise en circulation au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à partir de 2016. La nouvelle est tombée jeudi à l'issue du Conseil des ministres de l'organisation tenu à Abuja au Nigeria. Une résolution qui marque un pas décisif vers l'intégration de la sous-région ouest-africaine. C'est d'abord une très très bonne nouvelle. Si on ne l'avait pas fait, nous avons dans cette zone un très gros problème avec un taux de croissance de 6,3%. Prévu pour 2014, il est impossible aujourd'hui de continuer à garder ce taux de croissance si les freins à la circulation des personnes, des biens et du capital dans cette zone devaient continuer. Le système douanier qui finalement est contigu à tout ce problème va être allégé. Fondamentalement, nous allons améliorer le commerce. Nous allons donc améliorer l'intégration régionale qui est l'objectif visé, avec beaucoup de chances de monter de 6 à 7% si bien sûr la corruption ne vient pas gêner cette affaire. Selon le rapport des chefs des services de l'immigration de la communauté qui a été approuvé jeudi par le Conseil des ministres, cette nouvelle carte viendra remplacer le certificat de voyage actuellement en vigueur. Pour ce faire, elle sera soumise à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra dimanche et lundi en vue de son adoption. Nous pouvons être fiers des acquis de cette communauté, que ce soit en matière de libre circulation des personnes, où nous avons aboli les visas, voilà maintenant une trentaine d'années. Nous avons même acquis le droit de résidence et le droit d'établissement, ce qui n'est pas rien. Nous travaillons actuellement à ce que l'application effective de ces protocoles s'améliore de jour en jour sur le terrain. Par ailleurs, la réunion du Conseil des ministres de la CEDEAO a également permis aux participants d'examiner le rapport annuel 2014, lequel rapport indique que les prévisions de croissance s'annoncent positives pour la communauté, avec une activité économique devant progresser de 5,3% en 2014 contre 4,8% en 2013. Confusion aux îles Comores à l'approche des élections législatives. Ce vendredi, le parti présidentiel a dénoncé des erreurs inacceptables de la commission électorale. De son côté, la presse fait état d'un énorme cafouillage. Selon le journal gouvernemental Alouatan, des électeurs auraient été supprimés et des candidats d'un parti se retrouveraient sur la liste d'une autre formation. Une confusion aggravée par le chevauchement des nombreuses structures qui interviennent dans l'organisation du scrutin. La CENI a jusqu'à ce samedi pour rectifier les erreurs. Une loi contre le terrorisme fait débat au Cameroun, adoptée le 4 décembre dernier. Elle prévoit la peine de mort pour toute personne reconnue coupable d'actes terroristes. Mais la polémique et les critiques s'attardent surtout sur la définition donnée par cette loi des faits terroristes élargis aux manifestations publiques. Explication avec Aminata Diak. Quelle lecture faire de la loi contre le terrorisme adoptée le 4 décembre 2014 par le Parlement camerounais? Le texte fait débat au sein de la classe politique. L'opposition et les organisations de la société civile jugent cette loi liberticide. Elle se préoccupe notamment de la définition de l'article 2 qui précise que toute personne reconnue coupable de faits de perturbation du fonctionnement normal du service public ou qui peut créer une situation de crise au sein des populations ou encore créer une insurrection générale dans le pays tombe sous le coup de la peine capitale. On ne saurait combattre le terrorisme en institutionnalisant la terreur contre ses propres citoyens. Cette loi anti-terrorisme, que nous avons d'ailleurs surnommée la loi guillotine, est terroriste en elle-même. Et donc nous pensons que c'est pas la bonne cure, ou c'est une cure très dangereuse, et d'ailleurs plus dangereuse que la maladie qu'elle est censée soigner. Pour certains spécialistes, cette loi ravive les tensions au sein de la classe politique. Cette loi vient accroître des tensions dans un climat politique et social qui est lui-même très tendu compte tenu du contexte sécuritaire national
et même régionale. Deuxièmement, c'est une loi qui est, au regard des observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, c'est une loi vraiment liberticide, dans la mesure où il y a des dispositifs juridiques et réglementaires qui encadrent les manifestations publiques dans le pays, mais qui ont aussi des conséquences pénales en termes de punition. Pour sa part, le gouvernement relativise l'impact de ce texte sur les libertés individuelles et collectives déjà acquises. Les politiciens sont libres dans leur mouvement. On ne saurait confondre une manifestation politique et une manifestation à caractère terroriste. Les lois sociales, les lois de la communication sociale qui définissent les règles du jeu pour les partis politiques, pour la société civile, pour la liberté de la presse, ces lois-là demeurent intactes. L'opposition campe sur sa position et dénonce une loi qui criminalise les réunions et les manifestations publiques. Elle a d'ailleurs appelé le président Paul Biya à ne pas promulguer le texte et demande à ce qu'il soit réexaminé. C'est un bien triste Noël qui s'annonce en Sierra Leone. Les rassemblements publics pour Noël et Nouvel An ont été interdits dans le pays en raison du virus Ebola qui continue de s'y propager. Une interdiction qui traduit l'impact de l'épidémie sur la vie économique et sociale des pays touchés. Dans ce pays qui compte environ 30% de chrétiens, les célébrations de Noël et du Nouvel An donnent généralement lieu à des rassemblements populaires. Mais cette année, la quasi-totalité des lieux de fête seront fermés. Une émeute anti-chinoise a fait 2 victimes ce mercredi à Madagascar, une situation qui soulève le débat sur les conditions d'implantation des entreprises chinoises en Afrique. Si la stratégie économique de la Chine apporte une plus-value au continent africain, elle est également source d'inquiétude pour de nombreux observateurs socio-économiques. Explication avec Marina Vanier. Depuis quelques années, la présence chinoise se renforce en Afrique. Le continent est perçu comme un nouvel Eldorado commercial pour les entreprises chinoises. Si la part du commerce entre la Chine et les pays d'Afrique reste marginale, elle a néanmoins progressé de manière sensible en moins d'une décennie. Investissements, entreprises délocalisées, diaspora importante, tout y passe. Seulement voilà, plusieurs observateurs dénoncent de mauvaises conditions de travail. Ce mercredi 10 décembre, les ouvriers malgaches d'une usine sucrière de Morondava à Madagascar ont encore manifesté en vue d'obtenir des contrats de travail pour les employés saisonniers, mais aussi une augmentation de salaire pour les permanents. Le problème de la société Sucoma est un problème interne. Il y a déjà eu auparavant des affrontements entre les personnels malgaches et les gérants chinois, aboutissant parfois à des actes de vandalisme et des agressions physiques sur les Chinois. Depuis l'adoption du mot d'ordre Go Global en 2002 par la Chine, les entreprises du pays se sont fortement internationalisées. L'Afrique représente aujourd'hui 15% des investissements de la Chine dans le monde. Un mouvement qui devrait être mieux contrôlé par les autorités africaines, selon les spécialistes. Il faudrait que les gouvernements africains, dans chaque pays, exigent des entreprises chinoises le respect de la loi, le respect du droit du travail, comme les autres entreprises, et que ça ne passe pas comme si ces entreprises, c'était un cadeau pour l'Afrique. Finalement, on peut se retrouver dans des situations où les Chinois sont haïs comme ça s'est passé à un certain moment en Zambie et dans d'autres pays. Donc ça serait aussi une façon d'améliorer les relations entre les Chinois et les Africains. Le premier forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC, s'est tenu en octobre 2000. Depuis, il se tient tous les 3 ans alternativement en Chine et en Afrique. Lors de la 5e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine, le plan d'action de Beijing a été lancé. La Côte d'Ivoire a plusieurs cordes à son arc. Outre le café et le cacao, le pays exporte également des produits finis. C'est le cas du bitume. La Côte d'Ivoire a une capacité de production de 350 000 kilotonnes qu'elle veut porter à 700 000 kilotonnes grâce à son succès à l'exportation. Voyez ce reportage, notre correspondant sur place, Olivier Conan. 350 000 kilotonnes par an, c'est la capacité de production de bitume de la Côte d'Ivoire. Cette production est exportée à 80% à destination des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Angola est également débouché du bitume ivoirien. Cette offensive sur ces marchés a permis de compenser la baisse de la consommation locale consécutive à la crise que le pays a connue depuis plus de 10 ans. La Côte d'Ivoire détient par exemple la moitié du marché nigérian. Le Nigeria qui arrive en tête avec 40% de ce volume de 80% que nous vendons à l'export. Arrive en second le Ghana, qui, bon en mal en, est entre 30 et 35%, je vais dire, de ce volume. Et le reste, je vais dire, du volume est réparti entre le Cameroun, le Gabon et l'Angola.
Il est vrai qu'il y a 2 ans de cela, l'Angola représentait à peu près 20% de nos ventes. L'année dernière, les ventes sont revenues à un niveau relativement bas, avec un transfert de ces volumes sur le Nigeria et sur le Ghana. La Côte d'Ivoire a vendu 40 000 tonnes de bitume au Ghana en 2013. Ce succès à l'exportation est assuré par la qualité du bitume produit en Côte d'Ivoire qui répond aux standards internationaux. Nous allons traiter seulement que le brut qui contient du bitume à l'origine. C'est ce qu'on appelle les bruts bitumineux. Et ces bruts bitumineux représentent seulement que 10% de l'ensemble des bruts qui existent au monde. Ça, c'était la décision stratégique qui a été prise à l'époque. Donc, par ce fait-là, la SMB se trouve aujourd'hui être l'une des seules raffineries qui fait le traitement du brut à bitume. C'est-à-dire que dès la première distillation, vous obtenez du bitume. Donc la qualité du bitume de la SMB est largement au-dessus de l'ensemble des bitumes qui sont produits en Afrique aujourd'hui. Le prix du bitume indexé sur celui du pétrole est orienté à la baisse. Il est passé de 350 000 francs CFA la tonne à 320 000 francs CFA. 4 milliards de francs CFA d'investissement dans les 2 prochaines années sont nécessaires pour préserver la compétitivité du bitume ivoirien. Le chiffre d'affaires de la société multinationale de bitume varie entre 120 et 200 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.